Nous sommes sur le marché spatial en Europe, le marché nucléaire en France, et nous sommes aussi présents sur le marché américain pour l'industrie lourde, où nous livrons du matériel de soudage et d'assemblage. Donc nous avons un vrai rayonnement international. Dans le spatial, il y a une part de rêve. C'est extrêmement motivant de travailler sur des projets spatiaux. Par exemple, on a un projet qui a été très emblématique. Tout le monde se rappelle certainement en novembre 2014 la mission Rosetta, le petit robot Philae qui ont atterri sur la comète Tchoury. APCO Technologies a participé à l'aventure avec l'Université de Berne en fabriquant l'instrument Rosina qui était un spectromètre de masse et donc on est très fiers d'avoir pu participer à cette aventure au sein de l'Agence spatiale européenne. Alors ExoMars, c'est aussi une mission de l'Agence spatiale européenne. Il s'agit d'aller sur Mars avec un rover, un robot, et de récolter des données pour trouver les traces de vie sur Mars. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, nous avons une salle propre dans nos ateliers à Aigle. Et en salle propre, les instruments que nous devons construire pour ExoMars ne doivent avoir aucune contamination biologique parce qu'évidemment, si on va sur Mars, pour y chercher la vie, il ne faut pas qu'on ramène la vie qui vient de la Terre. Alors le marché spatial, c'est un marché qui est en plein développement. On voit une industrialisation toujours plus poussée du spatial qui est un peu en train de vivre ce qu'a vécu l'industrie automobile un certain temps. Donc il y a une forte compétition, mais en même temps il y a de la place pour tous. Et dans ce cadre-là, la participation de la Suisse à l'Agence spatiale européenne est un élément clé.